Wow. Let's watch some crazy stuff, yo! Jeez, Rick, oh my god! Hey, wait a minute, Rick, I thought this was a commercial, what's going on? I mean, don't worry about it, let's just see where this goes. Oh my god, it's still the commercial! Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir ici Fouals. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée en ce mardi 11 juillet 2023. Comment ça va les gens? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour prendre votre dose de sel sympathique, mais surtout votre dose d'Assassin's Creed? Puisque, rappelez-vous, sur le programme, on a bien vu mardi, mercredi Assassin's Creed, jeudi, vendredi, ce sera Halo avec la reprise de The Master Chief Collection. Allez, je vous propose sans plus tarder, tac, on coupe la musique, on enchaîne, on est pas trop à la bourre, on est un petit peu à la bourre, mais ça va, c'est cool. Et coucou Cécile, comment ça va? On est un petit peu à la bourre, mais ça va, c'est cool, en soi c'est cool. Donc du coup, on enchaîne, rapido presto, hein, on fait, voilà, on tarde pas trop sur l'introduction. Puisque le temps que le jeu charge, etc. Allez, avant toute utilisation de jeux vidéo par vous-même ou par votre enfant. Allez, est là. Allô? C'est bon?
Allô, le jeu, est-ce que je peux appuyer pour qu'on puisse enchaîner? Alors, cet Assassin's Creed, je le trouve assez, on va dire, typé arcade. Vraiment, c'est vraiment Batman, mais à la sauce Assassin's Creed, quoi. On n'a plus ce côté, autant sur Unity, on avait le côté un petit peu infiltration, tout ça. Là, on l'a sans la voix, en fait. C'est un peu bizarre, c'est assez chelou. Avec ce système de combo, il faut vraiment envoyer les combos avec Jacob, Avi. On peut se mettre en furtif, mais on sent voilà qu'il commence à mettre le côté RPG au milieu avec les niveaux des ennemis, etc., etc. Voilà quoi. Hein, je pense que Syndicate, ça va pas être un Assassin's Creed que je vais vraiment aimer. Hein. Je vais pas vraiment le savourer. Hein. Après c'est rigolo ce truc de séquence là. Chasse aux Templiers. Séquence 3 à Berlin je présume. Et là séquence 3, prendre un orphelin par la main. Donc là je pense que c'est une quête pour libérer un orphelinat. Là-bas c'est pour tuer un Templier. Bon on va prendre un orphelin par la main. Après c'est très joli hein. C'est joli, j'avoue, là, Whitechapel, là, je le trouve vachement joli. À niveau graphisme, c'est pas mal, hein. On est même au-dessus. D'accord. On est clairement au-dessus d'Assassin's Creed Syndicate. Hein. Oh putain, mais de merde. Et coucou Nini, comment ça va? Un petit coucou rapide. Alors, on voit quand même qu'on est au-dessus, on est au-dessus d'Unity. Hein. Ah, bon, il y a toujours des petits bugs. On voit l'unité entre guillemets. Ah, tu es discrètement le messager. Attendez, hop, on va. Je suis caché. Hop là. Voilà, après la bagarre. Ah oui, lui tire dans je sais pas quoi. Ah d'accord, ok, j'ai des potes qui arrivent. Comment va Nini et son séjour en Corse? Comment se passe le séjour en Corse? J'ai l'impression d'être dans un Assassin's Creed... Assassin's Creed hors sujet. J'ai l'impression qu'on est clairement hors sujet là. Ah, et coucou le Dante, comment ça va? Hâte de rentrer, vous. Ah. Bah écoute, hâte que ça passe un petit peu. Hâte que le temps passe un petit peu. Là, on enchaîne un petit peu quelques broutilles. Vivement que tout ça se passe. Mais ça va, c'est cool. Comment il va le Dante? Ah le Dante, tu tombes bien d'ailleurs. C'est le week-end prochain hein, qu'on a le week-end du staff, il me semble. T'inquiète pas, c'est un méga week-end arrive, ouais. Ça me fait plaisir, mais ça me fait peur de notre côté. Ça me fait un petit peu peur. J'espère qu'il n'y aura pas de caca. Pendant que je ne suis pas là, j'espère qu'il n'y aura pas de caca, tu vois. Si vous voyez ce que je veux dire. Peur qu'il n'y aura pas de merde, si vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait un petit peu peur quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un super week-end. D'ailleurs, du coup, je te rejoins chez toi. Je te rejoins le vendredi soir. Weekend staff. Et oui, avec la PXL. Jacob et Evie cherchent l'insatiable, l'insaisissable Clara Audi. Vous n'imitez même pas au week-end. Mais faut faire partie de la PXL, hein. Je me casse, bah faut faire partie de la PXL Nini hein. Où est-ce qu'on a mis les pieds? Ravi de vous rencontrer enfin. Vous êtes à Babylone, Alley. Ici, nous faisons en sorte de connaître les rues ouais, et de si permettre aux enfants finis 7 de prendre en main ensemble. Ça marche. Clara, Monsieur Green a dit que nous pourrions nous entraider.
En échange de nos services, nous vous demandons une petite faveur. Putain, le doublage est dégueulasse. Vous m'avez pris presque tout mon argent. Alors, au point où nous en sommes? Un certain nombre d'usines ont recours presque exclusivement aux enfants pour leur main-d'œuvre. Changer mercredi à Adam, ça j'avoue. Ils font de longues journées, sans être payés. Et la plupart n'ont même pas le droit de sortir de l'usine. Ils souffrent énormément. Ah non, ben voilà. Vous devez les sauver. Une petite faveur. En échange, nous vous donnerons des informations, ce dont vous avez clairement besoin. Hé, hey, juste une minute. Je regrette, on m'attend. Vous acceptez le marché? On accepte. Ravi de faire affaire avec vous. Oh bah super. Scratch dans la main, ça craque peu. Hop là. Aïe aïe aïe. Et bien sûr, bon anniversaire Cécile et bon anniversaire Nini. Les femmes nous organisent un week-end de folie. C'est mon mardi, ciel mon mari. Comment vont? Ah bah écoute, ça va hein. Et toi, comment ça va? Libération d'enfants. Allez, on va aller libérer des enfants. Ah ben Nini, ouais, là on a, y a le week-end organisé par la PXL. Il faut faire partie de la PXL. Tu vois, on recrute des bénévoles. Hein. On manque toujours de main-d'œuvre. Après ça fait un peu loin Toulouse. Toulouse-Arles, ça fait un peu loin. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Surprise! Alors. Attention, il y a une cloche derrière dans le secteur. Nous entendons que personne de nom propre. Donc personne. J'ai pas compris, mais vous entendez que personne de nom propre? On est chez les Blighters, donc ne pas déclencher l'alerte, on va essayer. Cessez de palabrer et mettez-vous au boulot. Le prochain que j'entends passera la nuit enchaîné à la clôture. Oh là là, il va se faire enchaîner à la clôture. Voilà, donc là il va falloir assassiner là, le Blighter là. Et c'est un week-end pour vos poteaux de Twitch. Ah voilà. Là c'est mieux. Si, faudra qu'on organise ça d'ailleurs. Alors. Tous les cas, les chefs sont des personnages importants, plus puissants que les autres ennemis. Tuez discrètement et effraie les ennemis proches qui fuient à leur secteur. Tuez discrètement le chef d'un secteur pour inspirer la peur aux ennemis proches. Ah, let's go. Ça me plaît ça. Ok, donc là. Au travail! On doit livrer la semaine prochaine et on est très en retard! Ça se passe comme ça, attention, parce que là il risque de me voir lui. L'enfoiré là. Genre apéro quoi. Genre un gros apéro quoi. Alors comment on pourrait faire pour passer genre discrètement? Donc là, je suis. Je suis caché. Quand j'organise jamais rien, c'est 34 ans que les gens sont jamais contents quand j'organise un truc. Faut savoir. Faut un savoir-faire que je n'ai pas, j'ai laissé tomber. Bah, c'est compliqué, hein. L'organisation, c'est vrai que c'est. Nini, elle a une organisation qui est extrêmement innée pour ça. Elle a un sens de l'organisation qui est extrêmement rodé. Elle est rodée à la tâche, Nini. Cessez de palabrer et mettez-vous au boulot. Le prochain que j'entends passera la nuit enchaîné à la clôture. Cessez de palabrer et mettez-vous au boulot. Tac, attention. Bon, maintenant j'ai plus de couteau, hein, je suis dans la merde.
Elle arrive. Vénère là. Merde. Je voulais siffler. Ah voilà. Voilà, nickel. Hop là, je passe en mode caché. Ah ben non, ça ferait plaisir. Non, je sais que non. Dans tes formels là-dessus, il sait que non. Ça ne fera pas plaisir. Dante n'est pas organisateur. Sale gamin, il ne coûte pas cher, mais il faut en remplacer deux par mois. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec son affirmation. Sale gamin, ça coûte pas cher, mais il faut toujours les remplacer, c'est chiant. Voilà. Voilà, je n'ai pas déclenché la cloche d'alerte. J'ai fait peur à ces quoi. Donc là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent me voir là ou pas? Ils sont toujours là. Je crois qu'il a bugué. Je crois que le PNJ a bugué. J'ai juste pas envie. Oh ! La fois que j'ai essayé, j'ai voulu organiser juste un coup à boire pour le tap pour se détendre rapidement depuis mes 30 ans. J'en avais même pas une heure depuis, je n'organise plus rien. Je comprends, ça m'a fait pareil. C'est vraiment gentil. Ça m'a fait pareil, on avait fait le même coup. Quoi. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner du temps et la fois ça sort tout le monde, c'est vrai. Ouais, c'est pareil, on m'avait fait à peu près le même coup aussi, ouais, c'est 34 ans que t'invites pas les bonnes personnes. Oula, mettre le feu. Ça va faire. Ok. On dirait que tu étais du mauvais côté du bateau. Je peux l'assassiner? Let's go! Hop là! Bon bah voilà, sans déclencher la cloche d'alerte. Sabotons ça. Parce qu'on ne sait jamais. On fouille, on récupère. Bon, les orphelins là, allez, cassez-vous. Allez, barrez-vous là. Oh, vous nous avez sauvés. Oh, merci, monsieur. Monsieur. Oh, vous nous avez sauvés, monsieur. C'est pareil, j'ai essayé d'organiser un truc et ça a été du gros capot. Et pareil, je dis, bah maintenant, bah, c'est quoi bah, voilà, YOLO. Tu donnes du temps, tu donnes. Et puis pour qu'au final, les gens ne se libèrent pas ou les gens. Les gens sont tip top et puis après ah oh ben non ben non ni ni. C'est pareil, même pas une heure depuis je n'organise plus rien, ça fait gagner du temps et la frustration tout le monde. C'est pour ça que je fais jamais rien, mes anifs Twitch et autres. Alors moi les anifs Twitch je les organise genre anif Twitch. Parce qu'en fait ça change pas grand chose. Mais anif Twitch oui anif Twitch j'avais organisé un gros un anif tu vois grande pompe. Et au final tout le monde c'était pareil, tout le monde était partant. Et puis au final ça s'est effondré depuis l'année dernière. L'année dernière, voilà, moi les anifs Twitch, ben maintenant voilà, c'est en mode YOLO quoi. C'est en mode YOLO, c'est un live. Vous venez pas, ben c'est pas grave quoi en fait, c'est pas grave, c'est juste un live spécial avec un overlay spécial. Mais mes points barres bon, pour les animations, ben voilà, on se fait limite, on envoie Gartic, on envoie du multi, du machin, du si. Parce qu'après, si tu cours après les gens, c'est clair qu'après, voilà, tu.
C'est le moyen de, c'est le moyen d'être déçu quoi, c'est le moyen d'être déçu parce que tu, c'est bien au début, mais après, enfin c'est bien au début, ils vont dire ouais ouais super super, puis après hop là y a plus personne quoi. Ou ils sont pas là, ou tu dis ouais au final alors, les impératifs je veux bien, les trucs derniers mois je veux bien, les trucs comme ça, mais qu'est-ce que tu veux toi, hop là. Quoi? Tu as tué la dame! Foiré de tasse! Mais du coup, ouais, du coup, on se casse plus la tête, hein. Plus prise de tête. Pas moi ici, tu m'as dit ça, c'est année atténuée car je voulais pas qu'on m'appelle par mon dead name, mais on n'accepte pas ma transition. Aïe aïe aïe. Ouais, non, ça c'est pas top. Je comprends pas pourquoi, du coup, j'ai reçu du love sur Twitch et puis voilà. Non, je comprends pas trop, tu vois, c'est je trouve que ça fait un petit peu vieux réac quoi. Bah après chacun fait ce qu'il veut quoi, au niveau de s'il y en a qui veulent changer, bah qui change hein, écoutez. Moi, je trouve que ça fait vieux réac. Chacun fait comme il entend quoi. Oh là là, regardez-moi ces gueux qui demandent des subs. Oh, offrez-moi un sub. Choc génération, ouais, mais c'est ça. Quoi qu'il soit, il a eu peur là, le flic. Il a eu peur, la flicaille. Tu te crois à l'abri parce que t'es de l'autre côté. Exactement. Qu'est-ce que nous avons effrayé les brutes. Comment je fais pour les taper? Voilà. Je sais pas comment on fait pour les taper. J'en tiens pas qu'à plus que ça. Ouais, non, bah après, c'est ce qu'il faut. Faut pas en tenir qu'à plus que ça, quoi. Mais bon, ouais, c'est débile. C'est débile. Hein. Voilà, toi aussi. C'est ta dernière erreur. Et c'est drôle, comme je le sens pas Assassin's Creed, le jeu. C'est drôle, je le sens vachement plus. Je sais pas, je le sens. Ouais, je le sens limite. Enfin, ouais, c'est genre type arcade quoi. Le truc, c'est. Je sais pas, je trouve vachement bizarre. J'ai pas la sensation de jouer un Assassin's Creed. Je joue un Assassin's Creed sans jouer un Assassin's Creed en fait. C'est très très bizarre. La sensation est très bizarre. Les jumeaux rencontrent le sergent Frédéric Aberline dans une ruelle de Whitechapel. C'est très bizarre la sensation. Je ne vois pas Monsieur Aberline. On aura essayé. Psst, je sais peut-être quelque chose sur l'individu admirable dont vous venez de parler. Que fais-tu, Seigneur? Vous voulez me faire repérer? Mais c'est Dante! Sergent Aberline, à votre service. Quoi? Dante, mais pourquoi tu t'étais caché? Je m'attendais à rencontrer un policier. Et moi, je m'attendais à rencontrer des gens discrets. Henry Green dit que vous pouvez nous aider à passer inaperçu. Voilà ce que je vous propose. Je vous donne les noms de dangereux criminels, et vous, vous me les livrez. Discret. Il va trop vite et c'est trop simple, on n'a pas l'impression de voir des noms discrets dans ce. C'est ça? Une étrange vieille dame poilue qui ressemble à un policier. Puis même le doublage est dégueulasse, le doublage il est pas... Je trouve qu'il manque, ouais, ça manque de saveur, ça manque d'enthousiasme. Pourquoi t'es constamment stalké par une nana dans ce film-là? Essayez de rester dans le cadre de la loi. Faites-le pour moi. Je ne veux pas voir arriver de cadavres au poste. Approchez vos cibles par derrière et tâchez de les faire. Mais je trouve que c'est vachement, ouais, c'est. C'est. Mais t'as raison, ça, c'est ce manque de discrétion. Tu vois, le gros manque de discrétion, tu vois, il faut anticiper sans anticiper en fait. Pour plus de savoir, faut que j'utilise, c'est un exhausteur de goût. Non, mais ouais, carrément, mais t'inquiète, le sel va arriver. Hein. Mais non, c'est. Lorsque vous trouvez un ennemi sans avoir été détecté, appuyez sur B pour l'enlever. Orientez lentement, elle verra. Pour les ennemis, pour réduire votre rayon de détection, vous déplacez rapidement avec RT et permet aux ennemis de vous détecter plus facilement. Appuyez sur B pour faire entrer un captif dans une voiture fermée. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Chasse aux primes. Donc là, je suppose qu'on a un tas de foin. Ouais, nickel. Donc là, notre cible est là-bas. Et là, nous, voilà, nous avons des escrow-boys. D'accord, donc on a plein de gars là. Oh, c'est le début, tu as débloqué des trucs après qui vont finir d'acheter ta sensation d'Assassin's Creed. Oh, merde. Cela déjà, tu vois, c'est limitrophe là, déjà c'est limite. C'est le dernier avant Origin en plus. C'est le dernier avant Origin, ouais. C'est vraiment le dernier avant Origin. Allez, payez ce que vous me devez. Et ouais, non, ça. Bah, je sais pas, j'ai pas la. Qu'est-ce qu'il veut lui, Homer Dalton? Ramener la cible en vie, oui, bah oui. Lâche-moi! Chie ce camp! Hé! Hey! Tais-toi donc! Je Hop là, pipi. De quoi est-ce que tu m'accuses? De prélever un loyer à des gens qui ne te doivent pas un sou. C'est ce que fait la moitié des richards de cette ville. Tu vas les enlever eux aussi. Ha! Arrêtez non, cet oh. homme, vite! Allô? Voilà, je veux le porter. Hop là, on cache le corps. C'est qu'elle joue à Pokémon, voilà, cher. Ah, c'est Altaïr. Altaïr. Bravo. Altaïr, l'épisode, l'opus Altaïr. Il était un peu redondant, je trouve, hein. Dalton débarque. Mais oui, j'aurais dû jouer à Pokémon, mais on fait un petit peu d'Assassin's Creed. Il faut qu'on fasse les Assassin's Creed. Il faut qu'on les fasse. J'aimerais bien faire Syndicate avant Mirage. J'aimerais qu'on finisse Syndicate avant Mirage. Faisable. En vrai, c'est faisable. Continue. Oh, allô. Oh là là. Son chien, sont trop milieux. On va pouvoir le mettre derrière les barreaux. Et voilà, incroyable. Et en fait, c'est quoi? C'est que des missions secondaires comme ça là? Mais c'est de la merde. T'as essayé FF Wall, c'est comme Pokémon, mais pour les grands et en bien. Donc en fait, il faut que je débloque. Ouais, il y a tout ça débloqué quoi. C'est objet à collecter à la crypte de Ruge. Ah, Harold Drake. Mais c'est trop bizarre ce truc là. Dommage blanc qui te met des doigts dans FF. Bah apparemment ouais, de ce que j'ai cru voir. On fait de l'or avec Dante. Je peux me faire écraser par le train ou pas? Là, normalement, il y a un train là, je me fais écraser, on est d'accord. Ah, bah là, attendez, compétences, c'est vrai, j'ai débloqué des compés là. J'en ai deux. Donc je possède le rapt. En combat, ah, je pourrais avoir la super armure, non? Oui, non, boost de santé. Oui, ça, j'aimerais bien l'avoir. En mettant des doigts, faut être précis, ouais, il faut bien qu'ils mettent le gros doigt. Mettre le gros doigt. Combien de caisses vous reste-t-il à distribuer? Environ une douzaine, monsieur. Excellent. Bientôt, tous les Blighters de Londres seront armés jusqu'aux dents. Ah, tuer la cible à l'aide d'une caisse de dynamite. Ah, c'est de la dynamite. Bien. On distribue la dynamite. Et prudence. On s'y colle, monsieur. Ceci doit arriver intact dans les mains des Blighters. C'est impératif. Alors, voyons voir un petit peu Harold Drake. Tu as cible à l'aide d'une caisse de dynamite. Je vois où sont les caisses de dynamite.
Alors déjà, pour ce faire, il faut qu'on s'infiltre dans le bâtiment. Mais bon, l'infiltration... J'ai pas l'impression que le jeu nous fasse la part belle à l'infiltration. Comme dans les précédents opus. À Unity, ça faisait vraiment la part belle à l'infiltration. Là... Combien de caisses vous reste-t-il à distribuer ? Même peu l'air, s'en battre les couilles, hein. On va faire des achats. On va aller faire des achats. On va récupérer le coffre là. Allô. Voilà, je vais descendre. Merci. Monsieur le marchand. Je suis ici pour marchander. À devenir anonyme et ta sœur. Merde. Bon, j'allais dire, d'accord, le PNJ va me repérer à 3000 km. Voilà, c'est bon. Ah, je suis anonyme. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais de rien. Qu'est-ce que tu vends d'autre ? Carte au trésor. Ça pourrait là, c'est truc et carte au trésor. Vous n'achetez pas ? La prochaine fois, peut-être. Non, j'ai pas envie d'acheter. Je vends les meilleurs et les plus beaux articles de tout le monde. Vous pourrez pas trouver mieux. Alors, où sont les gardes ? Tous les Blighters de Londres seront armés jusqu'aux dents. Aucun flicard en vue. Bien. Aucun flicard. Et prudence. On s'y colle, monsieur. Ceci doit attention, parce que lui va tourner, non ? C'est impératif. Alors, où est ma cible ? Ma cible est là-bas, elle va pas bouger. Là, on a juste une patte patrouille. On sait qu'on a une patte patrouille qui est là-bas. Ouais, c'est pas savoureux, hein, franchement. C'est pas un Assassin's Creed savoureux. Hein. Et coucou Biftek, comment ça va ? Coucou Fisting, comment tout le monde fait ban Twitch ? Pourquoi ? Qu'ai-je donc fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'ai-je donc fait ? Ceci doit arriver intact dans les mains des Blighters. C'est impératif. Bah non. Je l'ai trouvé ! D'accord, le mec me voit. Hein. Et le mec m'a vu. Environ une douzaine, monsieur. Excellent. Bientôt, tous les Blighters de Londres seront armés jusqu'aux dents. Aucun flicard en vue. Bien. On distribue la dynamite. Allez. Et hop. Vite. Ceci doit arriver intact dans les mains des Blighters. Boum. Excellent. Visotis me demande enfin un nom exige des nouilles, qu'elle ne va pas manger car elle mâche pas, elle a eu des nouilles. C'est un... Ah merde, soir nouilles au bœuf donc aïe aïe aïe. Oh là là. J'ai fait aggro tout le monde. Oh là 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 là. Mais c'était nul. C'était nul. C'est quoi cette quête? Elle est naze.
Ça en plus c'est que la vision d'aigle qui reste, on va dire, infinie là. Ouh, il est chaud. Et coucou Hulda, comment ça va? Voilà, bon bah voilà, pipi pipi, ouais c'est bon. Mais bon, c'est bon, c'est réglé, hein, c'est réglé. On l'a fait péter avec la dynamite. Ce ou. Le ou de Hulda. Et merci pour le lurk. Ah, guerre de bande disponible, la bagarre. Il a changé Altaïr, t'as vu ça un peu, il a changé. Tac, on va mettre le marqueur. Oh, le cheval il a bugué, Incroyable. On va chercher le coffre. C'est quoi ce texte? J'ai pas fini en plus, j'avais pas fini le texte. J'ai pas fini, faut que je le modifie. Faut que je modifie le texte. Ah, le son est dégueulasse, je vais le changer aussi. Le son est vachement dégueulasse. Je pensais qu'il allait bien sortir, en fait il est vachement dégueulasse. C'est dommage. Accrocher, maintenir. D'accord, dans Assassin's Creed Unity, t'avais quand même un mini-jeu de dextérité. Là, t'as que dalle. La flemme intersidérale. Oh non, sérieux, putain. Oh mais sérieux. Sérieux, sans déconner. Franchement, j'ai l'impression de jouer un Batman, mais avec le skin Assassin's Creed. Si je t'envoie le bon son, ça marche. Je l'ai trouvé sur YouTube, j'ai trouvé sympa. Mais je cherchais pour le fun, je cherchais un gros Togepi, qui fait Togepi. C'est pour le lol, mais j'ai pas trouvé. Alors j'en enregistre un Togepi. Histoire de bien rigoler. Syndicat était son nom, la CGT est passée par là. Hey, coucou Falala, comment ça va? Ah, c'est Assassin's Creed CGT édition. Ah, il y a Martinez, mais non, Martinez, c'est fini. Maintenant, c'est Sophie Binet. Aïe, 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 je peux pas rejeter toi, t'as de dire. Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. Soit j'arrive à modifier l'intonation du Togepi et faire un genre de grosse voix, là. Togepi. Ou alors j'enregistre moi. Je vais faire un bon truc là, juste pour le lol. C'est un bon truc qui casse le code. Qu'est-ce qu'ils veulent là, Magro là? Les rednecks là. Oh. La bagarre. Aucun épée d'expert. Ah, la bagarre. Ah, vous voilà. Pour prendre le contrôle de Whitechapel, il faut éliminer le chef du quartier. Kellogg a exigé que vous régliez votre différend par un combat entre bandes. Tant pis pour lui. Tenez, je suis certain que ça vous sera plus utile qu'à moi. Oh, eh bien, Grigny. C'est le Noël des assassins? Appelez vos alliés. Ah bah dis donc, le Noël des assassins, ho 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 ho. Meilleur équipement, accroître votre niveau permet de vous équiper d'accessoires, armes et tenues. Appuyez sur Start pour accéder au menu inventaire afin d'acheter et de vous équiper des meilleurs équipements. L'équipement peut être amélioré afin d'améliorer ses stats et d'atteindre son efficacité maximale. On le sait. Alors, donc nous avons... Mais la létalité, elle est pas mal du Courny là. Monsieur Rexford Kellogg a accepté vos conditions et vous attend à la gare de Whitechapel. Il a parié son train sur ce combat. D'accord. La bagarre. Pas de Kellogg.
Peu importe. Allez, les Kellogg, ça. Hop là, c'est tout. Oh, mais il se barre. Il se barre avec son train. Allô? Mais... Oh là là, on se croit... Oh là là. C'est Winter Simulation. Oh là, c'est Winter quand elle va à la TGS. Est-ce qu'elle a fait pareil pour la TwitchCon? Hop 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 hop. Trop facile. Mais c'est abusé, tu mâches le bouton comme un gros benet quoi. Mais y'a zéro challenge en fait. Mais en vrai y'a zéro challenge. Ah, tu mâches le bouton là, je mâche littéralement le bouton hein. Aïe. Pas de budget, sortons vite un jeu simulatoire. Et encore, j'ai pris un coup, je me suis foiré. J'aurais dû ne pas le prendre le coup. Kellogg est mort. Whitechapel n'est plus aux mains des Blighters. C'est le moment de venir grossir nos rangs. Tous ceux qui s'opposent à Starik et à ses sbires seront les bienvenus. Et voilà, poil sporno 8. Ah, j'avoue. Bienvenue chez les Rooks. Ah, la crapule. Je préférerais encore me jeter sous le train que de continuer à faire rouler Bertha pour ce fumier. Kellogg? Il a quitté la gare. Eh ben, qu'il est mignon celui-là. Vous êtes qui? Je suis Evie Fry, mon frère Jacob Fry. Enchanté. Moi c'est Agnès McBean. Un plaisir. Moi qui croyais que j'allais monter en grade. Bon ben me v'là sans travail. Venez travailler pour nous. Je vous vois venir tous les deux. Vous allez me payer des clopinettes. Oh, je suis sûr qu'on pourra arranger ça. Ah, dans ce cas, je vous présente Agnès et Bertha, la dame et la locomotive. Tout à votre service. Je serai dans la voiture voisine. Un repère sur rail. En voilà une excellente idée. Oui, ce sera très pratique pour nous. Bon, j'aimerais que nous cherchions la piste de... Jacob, sois sérieux. Je ne ferai rien tant que ceci ne sera pas réparé. Je pense connaître quelqu'un qui pourrait s'en charger. Tu ne me déçois jamais, Grigny. Il ne serait pas fait toucher. Alors du coup, j'ai une canne épée d'expert. À niveau Rocky 3, ouais, bah d'accord. Ouais, bah la létalité est pas terrible. Hein. Canne épée Maya, qu'est-ce que c'est? Oh, caresse du grand ancien. D'accord, à niveau Rocky 5.
Après, on a les coucris. Canne épée à lion d'obsidienne. Canne épée en ivoire et jade. Courki. Coucri. Alors, comment on fait pour changer de perso? Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas ça, non. Ah, on peut pas. On peut pas encore. Avec un peu d'argent, on peut réaliser de grandes choses dans cette ville. Vous en feriez du bien si vous aviez les poches pleines. Ah bah ça, moi je demande que ça, hein, d'avoir les poches pleines. Hein. Interagissez avec le coffre, ah bah oui. Vous voulez remettre Londres à l'endroit? En voilà l'occasion. Cette carte indique qui aller voir. De vieux amis en quelque sorte, donnez-leur un peu de cet argent et ça nous évitera peut-être de nous retrouver au cimetière sans avoir le temps de dire ouf. Interagir à la carte des améliorations de bande et acheter la compétence marché pharmaceutique. Allez. Ça sent le sel et le seul soudainement. Le sel et le seum, ah oui. Les escrocs, affiliation au marché noir. Ah mais j'ai pas assez de potions là. Oh merde, c'est quoi ça? La police fermera les yeux sur certaines de vos actions illicites. Aïe aïe aïe. Votre bande contient désormais type sentinelle. Sentinelle type souvent des armes à feu. Voiture des rooks, on n'a pas encore. Formation des rooks. Ça déjà, j'aimerais qu'il passe les yeux. Pot de vin à la police. Ah ça je veux bien, ouais. Et voilà, amélioration des rooks. Allié armé. Non, on va pas faire ça. Et ça, je peux gagner des sous. Ah ouais. Voilà, voilà. Ah, c'est pas l'abri. Il n'y avait pas quelqu'un que Monsieur Green voulait vous faire rencontrer ? C'est un peu abusé quand même. On est trop tenu par la main là. Un peu trop même. Si t'as 50... Alors, Liam. Le planning. C'est tout à 19h30. C'est tout à 19h30. Aïe aïe aïe. Il faut qu'on aille voir la liberté de la presse. Non, comme j'ai changé d'horaire, je suis passé sur mes horaires d'été au travail. Du coup, c'est à 19h30. Parce que... c'est marqué. Aïe, aïe, aïe. Bon, les horaires fixes, non. Ah, mais j'aimerais bien. J'aimerais aussi me passer de ce genre d'horaire. Parce que honnêtement, on fait pas grand chose hein, au boulot là en ce moment. Déjà, qu'en temps normal, on fait pas grand chose. Alors là, je peux te dire qu'on fait encore moins que ce qu'on fait d'habitude. Hein. Donc, moi j'aimerais utiliser ce temps pour streamer en fait. Mais malheureusement, c'est pas le stream qui paye mon loyer, qui paye toutes les factures. Donc pour l'instant, c'est-à-dire en plus, le passage d'horaire d'été, je me souviens d'avoir. Ah bah alors! Liam. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. En plus, tu posais la question sur quel jeu on allait jouer ce soir. Ah, mais j'ai mis le planning. Qu'est-ce qu'il veut lui? Tiens, hop là. Insoumis. Ah, c'est un village d'insoumis. Alors, la liberté de la presse. On va donner la liberté à la presse. Liberté de la presse dans le jeu du Pokémon. Je sais que c'est Assassin's Creed. Ah, d'accord. Ah, mon perso a disparu. Ah, qui est soumis. Bon sang. Ah, c'est Dante. Tu sembles préoccupé.
Je n'ai réussi à intercepter que de la ridicule et mauvaise réclame pour un obscur sirop à effet calmant. Le ciel m'en est témoin, Henry. Si le monopole de Starik demeure... Alec, je veux te présenter. Voici mes amis. Evie Fry et son frère Jacob. Oh, Alexander Graham Bell. Linguiste, inventeur et expert en technique. Alec, j'ai un service un peu étrange à te demander. Peux-tu réparer cela? On dirait que le boîtier est fendu. Oh, ça se démonte. Ma foi, j'aurais pu utiliser ceci pour installer mes fusibles au sommet de Big Ben. Alec installe une nouvelle ligne télégraphique pour notre association de presse libre. Pour contrer la Starik Telegraph Company. Si je parviens à réparer les fusibles des lignes indépendantes de Big Ben, Starik en sera affaibli. Mais nous sommes un peu diminués. Et voilà. J'ai retiré le mécanisme afin qu'il puisse s'adapter à votre brassard. Oh, un petit coup de couteau là et... Attends, Jacob. Clac, clac, clac. J'aimerais vous aider à placer ces fusibles. Oh, je n'aurais pas l'orgueil de refuser, Miss Fry. Eh bien, nous prendrons ma voiture, si vous aviez la bonté de la conduire. Passe-moi ça. Clac, 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 et ça y est. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Je vous suis reconnaissant de votre aide. Ah, compétences actuellement disponibles. Bah, attendez, monsieur Graham Bell, j'ai des compétences là pour Evie Fry. Non, ça marche. Ah, ça marche pour elle aussi, d'accord. Ok, ok. Ok, ok. Ah, mais j'en ai 5, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vision d'aigle 2. Je veux bien. Je veux bien. C'est quoi ça? Foutre combo. On s'en fout. Ça, je veux bien. C'est pour fouiller le cadavre. Ça, je veux bien. Votre niveau a augmenté. Let's go. Qu'est-ce que nous avons en discrétion? Ah putain, putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je vais prendre la discrétion. Oui, Telegram, mais elle était belle. Oh là 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 là. Ah, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué là. Faire des choix cornéliens. Terrible. C'est terrible. Gantelet d'assassin, donc ça. Gant cuir durci. Ma cape. Oh, je peux être encore plus discret. Ah, mais je peux pas. Ah, j'ai pas le niveau. C'est con, j'ai pas le niveau. Oh, j'ai la tenue d'Élise, Aveline. Vêtements du docteur Daniel. Ciao, June. Excellent. On va bien en Élise. Excellent. Couteau de lancer de 20, ça c'est pas mal. Tenue de Xiao Jun. Quoique la tenue de Xiao Jun augmente les dégâts de couteau de lancer, ça c'est pas mal. Mais augmentation des dégâts des Q-Cri, mais j'ai pas de Q-Cri. Ah si, j'ai un Q-Cri. Sourire Colgate de Fouals. Ah mais je suis content quand je vois ça, je suis content. Allez, let's go. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai le cul cri en ivoire. Donc je pourrais mettre le cul cri en ivoire. Merde. Tenue. Sinon, ça change rien, on met ça. Voilà. Déjà être arrivé. Oh, hey, oh. J'espère. Tranquille, Emile. Dites-moi, monsieur Bell, à quelles inventions travaillez-vous? Je compte mettre au point un télégraphe phonétique qui ne se limite pas à des traits et à des points, mais qui sera capable d'acheminer c'est la beau, hein. Un télégraphe phonétique? C'est un peu long comme nom. Si vous appeliez ça téléphone. Un téléphone? Oh, mais.
Quel nom étrange, incroyable. Oh là là, vous appelez ça un téléphone. Oh là là. Oh là là, incroyable. Vous a demandé de poser une autre ligne. Oui. Qui plus est, d'autres compagnies indépendantes ont vu leur ligne sabotée. Et il leur est difficile de trouver les fusibles endommagés qui sont... Qui sont tout en haut de Big Ben. Exact. D'autant plus qu'il faut un laissez-passer spécial pour franchir les gardes. Ce ne sera pas un obstacle. Je vais réparer... Oh, c'est incroyable. Oh là là. Oh, je donne l'idée, je suggère l'idée... de l'appeler téléphone. Pour escalader au bâtiment, appuie sur LB. Depuis une corniche, appuie sur LB. Pour franchir des vides importants, il y a deux tyroliennes. Sur une tyrolienne, contrôlez votre vitesse. Oui, bah ça c'est le classique. Je peux pas... Je peux pas tirer encore ? Mon téléphone Samsung a ressorti un téléphone à clapet. Sérieux ? Mais clapet ou... clapet pliable ? Parce que j'ai vu quoi, il y avait une pub. Clapet s'est cassé le micro de téléphone à l'époque, je trouve ça différent aujourd'hui. Bah ouais. Je trouve ça un peu débile, mais après, bah. C'est Samsung, quoi. Moi, j'aime pas Samsung, donc après. Alors, le fusible. Clapet tactile, attends, on le fait en deux. Même moi, je serais curieux de voir après quelques années l'état de l'écran. Superbe vue. Oui. Oh, incroyable, t'as un iPhone, exactement. Oh, j'ai un iPhone, je suis très bien avec Apple. C'est juste les Macs que j'aime pas. Les Macs, je trouve pas. Ah, là j'ai récupéré le point LX là, allô ? Ah, le service de bugs sociaux est actuellement indisponible, ouais, comme d'hab. Hein. Alors c'est beau, hein, c'est très beau. Franchement, j'avoue. C'est super beau. C'est assez rigolo cette feature, elle est assez rigolote. Mais c'est très Batman sur 20. Bon après, c'est bien sur des grandes distances comme ça, au moins ça, on se fait pas chier quoi. Ninipoud à soudoyer Fouals. Non pas du tout, j'étais déjà... Ah ça fait des années que je suis Apple. Ça fait des années que je suis Apple, j'ai un iPad et tout. Non, j'aime bien ce côté interconnecté que tu peux avoir avec ta tablette et ton téléphone. Puis même les l'iPad, hein. L'iPad, la simplicité d'utilisation, tu te fais pas chier. Parce que le problème, ce que je reproche sur Android, parce que mon portable pro, c'est un Android. Le problème des Android, c'est qu'il y a tellement de surcouches fabricants, qu'au final, c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Et puis après, t'as le conflit de qui interdit Android, et voilà. C'est... Et au final, tu n'as plus accès à tes applications, tu n'as plus accès à rien. Pour mon Dieu, ouais, c'est bon, ouais, moi, c'est... Apple, c'est très bien, quoi. Apple, au moins, on nous casse pas les couilles avec ça, quoi. Ça, c'est très bien. Mais non, du tout. J'ai une nette préférence pour les iPhones, clairement. Clairement. Et le fait aussi de l'inter... De l'interconnectibilité qu'on peut avoir avec ne serait-ce que l'iPad par exemple. Je dis, ça dépend sur certaines choses. Tu travailles sur ton iPad, tu le retrouves sur l'iPhone quoi. Et ça c'est cool. Ouais, c'est beau mais c'est joli hein, mais
Allô? Je veux faire, voilà, je veux faire mon Batman, là, voilà. Oui, Batman! Batman! Il faut pas que je descende en dessous de 30 mètres. Faut pas que je descende de se rendre compte que dans le live, à chaque fois je reste avec toi jusqu'au bout. C'est vrai. Merci beaucoup. Ça c'est beau, putain. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Mais en plus, on a presque fini. On a presque fini. Je pense pas qu'il soit très long cet Assassin's Creed. Vu comment on le plie. Vu comment on le plie, il a pas l'air sacrément long. Puis ça, putain, cette mécanique, elle est. J'étais complet, quoi. Ça nous évite, c'est clair que ça nous évite de perdre du temps. Hein. Clairement, je suis content, là, je perds pas de temps. Je sais pas pourquoi je dis ça, une chair du love. Tu as bien raison. C'est bien, ça nous évite de perdre un temps fou. Mais d'un autre côté, c'est super cheaté. Après, c'est joli. C'est plus loin que Paris. Hein. Et voilà, Big Ben. Oh là là, Big Ben. Qu'est-ce qu'elle est belle, Big Ben. Qu'est-ce qu'elle est Big Ben. Et en plus, il y a un point de synchro en haut. Formidable. Si ça, ce n'est pas formidable. Incroyable. Point de synchro. Oh, les bateaux qu'il y a. Si c'était ça à l'époque, ça devait être une grosse pétodière. Hein. Impressionnant. Alors, j'ose pas faire un saut de la foi parce que je ne sais pas s'il y a une réception. Je sais pas, je connais pas ce jeu. Gros Benji. J'avoue. C'est le gros Ben. Alors, je sais pas si on peut se... Je pense qu'on va surtout se rétamer. Je pense qu'on va vraiment se rétamer si je fais un saut de la foi. Si je fais un saut de la foile, on va se rétamer. Hop là, éjection de mur. Hop là, et voilà. Incroyable. Merci infiniment, Miss Fry. Je suis désormais en mesure de terminer l'installation de la nouvelle ligne. Si je peux faire autre chose pour vous aider. Oh, certainement. Passez me rendre visite. Oh, j'ai manipulé cette petite invention et j'ai noté la formule pour vous. Ce n'est pas encore parfait. Mais grand Dieu, ça marche. Oh, le crétin. N'hésitez pas à passer à la maison. Sans parler de 200 éléments métalliques, assassiner un garde depuis une tyrolienne. Qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Donc là maintenant, que faut-il faire? Faut fouiller là-bas. À niveau suggéré 8, ouais quand même, 8, non, c'est un peu trop fort là. Là on a un point de vue. En vrai on a un point de vue là-bas. Bon allez, on va débloquer un petit peu les points de vue. Passez me voir et ne mettez pas de culotte. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. La Tamise, niveau suggéré 4, est-ce qu'on peut se baigner dans la Tamise ou est-ce que c'est comme la Seine, l'eau est dégueulasse?
Oh, comme c'est génial, ça avance et tout. Incroyable. Regarde le mec, juste un peu. Je pense pas qu'on puisse se baigner, hein. Poisson panier et cola et un peu d'ail sur la de... Pas mal ça. Merde, c'est le territoire des Blighters. Merde. En vrai, je savais pas que c'était le territoire des Blighters, merde. Mais je m'éloigne. Je m'éloigne. Berk, Berk, la Tamise. Tant pis. On nage dans la flotte sale. Putain de merde. Et pas mal, il dit. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Je sais pas ce que je vais faire manger ce soir, je sais pas. J'hésite, j'ai envie de manger des pâtes, c'est longtemps que j'ai pas mangé. J'ai pas envie de manger une salade, j'ai mangé une salade à midi, j'avais la dalle. J'avais la dalle, hein, genre 6h, j'avais un coup de barre. Une fringale. J'ai pas envie de me faire une salade là. Je me saoule un peu. C'est super facile, mais hein, je vais manger. Oh, elle nage. Elle nage bien. Hein. Dans la Tamise normale. Ouais, c'est mardi! Yes! Oh là, trop forte! C'est trop fortiche. Trop fortiche! Elle a quel âge ta Fifi? BTW. Ma Fifi. Ah ma fifi, hein, j'ai pas de fifi, hein. J'ai pas de fifi. Grand Dieu, heureusement que j'ai pas de fifi. Et après, non, j'ai un beau fils, ça oui. Fils à madame. Et là où tu prends la claque dans ta gueule, c'est qu'il va faire 18 cette année là. Il va faire 18 dans même pas un mois. Là tu prends la grosse claque dans la gueule. T'as pas dit que t'avais une fille? Pas du tout. Non, j'ai un beau fils et j'ai pas une fille. Non, non, après si la grosse on peut l'appeler, on peut dire que c'est une fifi, oui, la grosse miaou. Gros chat. Bah, il est pas chez moi, hein, il est chez elle. Et ça, il y a pareil, le petit Zizou. Le petit chat, le chat de la fête des mères qui m'apprécie plus. Il a fait un chat pour la fête des mères. Il m'apprécie un peu plus. Bon, après, il est super câlin, hein, il n'y a pas de problème, il est super, mais... Ah, je vous ai dit une fille, un enfant, vous avez dû comprendre. Ouais, tu as dû comprendre, mais non, non. Non, non, j'ai... non, pas de fille. Hein. Non, non, j'ai déjà un garçon. Ouais. Qui va faire 18, là. Faire 18 dans quelques jours. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ah non, mais je veux pas aller là-bas. J'ai rencontré un BFI à 6 ans, 9 ans maintenant. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est bien, c'est en plein dans la... On a la crise d'ado, là c'est la crise de l'après... De l'après adulte, du pré-adulte. Avec toutes les joies que ça entraîne. Les sorties, etc. J'ai envie d'avoir 19 octobre, oh la vache. Ça fait mal. Ah bah là je peux récupérer les bugs LX là. Là ça bug plus. Oh, il est vraiment con ce jeu. Allez, on va faire celui-là.
On va faire les points de synchro, parce que du coup il faut qu'on fasse les points de synchro pour faire apparaître du coup certainement les missions. Aussi grande nouveauté, les missions n'apparaissent plus. Qu'est-ce que tu veux toi ? Hop là. Là il y a un rouage, c'est quoi ? Fleur séchée, d'accord. C'est tout, il y a 10 ans, on sent mes 10 ans, ils sont passés les dernières années qui autorisent à vieillir. Ah, c'est horrible, hein. C'est horrible. Les souvenirs Facebook sont durs maintenant. Ah ouais, non, mais c'est dur, hein. Les souvenirs Facebook, c'est dur. Alors, pas une photo, une fois. Ah, putain, une photo de moi à 10 ans, j'avais. J'avais des cheveux, j'avais des vaches, et putain, j'étais comme ça, quoi. J'étais comme ça. Je vais pas dire que je vivais ma plus belle vie. Je faisais des photos en boîte de nuit. Mais disons que j'ai fait quelques choix. C'est sur cette période de ma vie où j'ai fait quelques choix que je n'aurais pas dû. Et avec du recul, je n'aurais pas dû faire. Et c'était sur cette période aussi de vie où le stream commençait, où ça commençait à sortir. C'était nouveau. Enfin, c'était nouveau, oui. Oui et non. Mais je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et je me suis jamais consacré là-dessus. Enfin, je voulais. Et puis je me suis consacré à d'autres conneries. Une connerie qui m'a littéralement coûté une fortune. Et je regrette amèrement. Et à cause de ça, bah, du coup, ça m'a fait un peu louper le coche, quoi. Ça m'a fait louper le coche. Je suis un petit peu déçu. Mais bon, voilà, ne vivons pas avec les regrets. Hein. C'est comme ça. C'est les petits instants de nostalgie. C'est que Vastrini il y a 2 ans et demi. Ah la vache, ah oui. Dix ans de retard, putain, j'avoue. Ça, je connaissais, mais je me disais ouais machin, mais j'avais trop tendance, ça veut dire, à m'éparpiller un petit peu partout. Quoi. Et du coup, ouais, non, je m'étais lancé dans un business qui, au final, m'a mis sur la paille. M'a clairement mis sur la paille, ce business. Je me suis consacré pendant des années pour au final, rien. Je regrette un petit peu parce qu'au final, je regrette d'avoir perdu du temps, en fait. Je regrette, c'est ça, en fait. Et c'est ce temps que ce temps perdu. Ou après toutes ces années, tu le remarques, tu remarques que tu as perdu du temps, que tu as fait des mauvais choix, et tu te dis putain, alors que j'aurais tellement pu me consacrer à ça, et au final c'est tellement le feu que ouais, j'ai perdu des années. J'étais sur les MMO et RPG et alcoolique, ah merde. Ah merde, hein. Moi c'était sur mon adolescence où j'étais sur les MMO. C'était sur mon adolescence, puis après, ouais, après, disons qu'à 20 ans, après c'était parti. Boîte de nuit, qu'on sort. Et non, en fait, on s'était lancé. Avec mon meilleur ami, on s'était lancé dans un. Enfin, lui, sa passion c'était les reptiles. Et en fait, il s'était lancé là-dedans. Moi je le suivais. Je l'ai suivi là-dedans. Et j'ai consacré des années dessus, et au final j'aurais pas dû, avec le recul j'aurais pas dû, parce que ça nous a foutu dans une merde sans nom. Moi j'ai fondé ma famille quand même. Oui, après tu as fondé ta famille, ça c'est le plus important. On s'est foutu au final dans une merde de sans nom, et moi je me suis consacré du coup à ça, en négligeant complètement du coup ce que j'aimais. Tout ce qui est vraiment jeu vidéo. Et je voyais le stream, genre en 2013, 2014, je voyais ce streaming, tu vois. Je me dis, putain, c'est génial, mais j'étais plus consoleux, tu vois. J'étais pas PC. Pour moi, le PC, c'était voilà. PC, oh, fais chier, machin, patin, couffin. Et au final, bon, après le business des reptiles c'est cassé la gueule. Je me suis consacré du coup, après je me suis consacré, on va dire, aux consoles, tout ça. Et
J'ai quand même négligé ce côté PC et ce côté PC qui aurait pu vraiment, on va dire, m'aider justement m'aider déjà à découvrir de meilleurs super jeux, des jeux en meilleure qualité. Parce que c'est vrai, sur PC, y a pas à dire. Et en plus de ça, j'aurais pu en parallèle lancer vraiment le stream, parce que j'avais lancé un petit peu le stream, mais sur PS4, parce que PS4, tu avais la possibilité de streamer directement. Donc ça, je disais, tiens, c'était sympa, je lançais des petits streams, et puis j'avais un vieux PC tout pourri, j'avais essayé de faire un stream avec une vieille caméra. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé un de mes vieux lives, parce que j'avais fait un stream, je faisais stream, j'avais fait un stream, juste pour déconner, ou... J'avais tellement pas envie de mettre les moyens dans un ordinateur ou quoi. Enfin, mon unité centrale, je l'ai mis sur dans le salon. Je l'avais branché à la télé. Donc, tu vois, vraiment le truc archaïque, quoi. Sur le divan, le clavier devant, la souris éloignée, quoi, souris éloignée. La petite webcam, une petite webcam toute pourrie, que j'avais mis sur une BD, en équilibre pour avoir un truc. Et le live, il buguait parce que j'étais tellement une quiche au niveau des réglages PC, au niveau réglages tout court, j'étais une grosse quiche. Donc le live était pixelisé de fou malade. Ça, je l'ai pas. Ce live, je ne l'ai pas. Et je jouais sur Five Nights at Freddy's. J'ai fait un bond. Bam. J'ai fait un saut. La caméra, elle avait backflip parce qu'en fait, j'ai sursauté. Mes genoux sont venus taper contre la table basse, enfin j'ai envoyé la table basse en l'air, tout s'est cassé la gueule, je l'ai plus, je sais pas si mon frère il l'a encore, parce que c'est mon frère qui l'avait enregistré, je sais plus s'il a la vidéo, il s'en rappelle encore, parce qu'il m'en avait parlé il y a quelques jours, mais il m'avait fait l'enregistrement, et puis j'avais fait une fois, j'avais composé ce PC d'ailleurs que j'ai upgrade maintenant. Non, j'avais pas encore ce PC. Non, c'est pas encore ce PC. C'est juste avant ce PC. Parce que ce PC, bon, je l'ai upgrade. Je vais encore l'upgrade là. Et c'est sur l'ancien PC. C'est Windows 7 tout pourri. Voilà, les Windows 7 de casino, quoi. Et c'est celui-là que j'ai. Et que j'ai encore. Et j'ai des cheveux. Vieille caméra pourrie. Hein, webcam pourrie. Micro pourri. Salut tout le monde. Ici Foils. J'espère que vous allez bien. Live sur Layers of Fear. J'ai essayé de faire un live sur Layers of Fear. Ça, je l'ai. J'ai encore la vidéo. Je l'ai retrouvée. J'ai encore la vidéo. Ce souvenir de folie, il faudrait que je le fasse le live anniversaire, parce qu'on va prévoir un live anniversaire, c'est bientôt mon anniversaire, on va faire une petite journée anniversaire, du coup je diffuserai ce live. Allez, j'avais des cheveux, et si vous fouillez vraiment dans les clips de la chaîne, vous allez retrouver un vieux clip, vieux clip d'Overwatch, que justement je faisais des streams, entre guillemets sur Overwatch, mais sur Play. Et putain, j'avais le nez bouché, pareil, c'est bordel. C'est vieux souvenir, ça, c'est vieux souvenir. Et je me dis, putain, j'ai perdu, c'est ce que je regrette, en fait, c'est d'avoir perdu tout ce temps, de pas s'être consacré avant au stream, alors que ça m'intéressait, que ça me donnait envie. Et au final, je me serais tellement éclataxe, et j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Et c'est ce que je regrette énormément, en fait. C'est tout ce temps passé où, sur lequel j'aurais pu du coup mettre mon temps libre à bosser sur les lives, parce qu'au final je jouais juste comme ça sur mon canap en mode grosse lock, alors putain j'aurais pu streamer et j'aurais tellement pu kiffer, et c'est dommage, c'est vraiment ce que je regrette. Mais c'est comme ça, mais c'était une grosse flemme de ma part, ça a été une grosse flemme de ma part, et c'est dommage, donc surtout ne sombrez pas à la flemme, si vous avez une idée, faites-la vraiment, le conseil que je peux vous donner, si vous avez une idée, si vous avez une envie, si vous avez un projet, faites-le, parce qu'après, vous risquez de regretter. Quoi ?
Quoi? Vous m'avez pas vu? Tu aurais pu percer comme ne pas percer, tu sais. C'est peut-être pas connu, ni dans ni il faut voir. Non, moi je vois pas que le négatif. Attention, je vois pas que le négatif. Parce qu'effectivement, peut-être que j'aurais pu percer ou peut-être que je n'aurais pas percé tout court. Hein. Peut-être que peut-être même que je ne percerai jamais. L'objectif, bien évidemment, ce serait de percer, bien évidemment. Comme tout le monde. Mais bien sûr. Après, au final, c'est ça. Au final, j'aurais pas pu vous rencontrer. Je vous aurais peut-être pas rencontré. Donc oui, je regrette. Le seul regret, c'est d'avoir jeté ce temps clairement à la poubelle en fait. C'est ce temps que j'ai jeté à la poubelle que je regrette. Sinon, je ne regrette pas. Bien sûr que je ne regrette pas parce que sinon je ne vous aurais pas rencontré. Je n'aurais pas ces gens formidables en face de moi. Mais c'est le seul truc que je regrette. C'est d'avoir jeté du temps à la poubelle. C'est mon seul regret. C'est pour ça que je ne vois pas que le négatif. J'en parle comme si c'était négatif. Parce que c'est quand même du temps jeté, c'est dommage. C'est dommage. Et avec le recul, tu te dis, bon ben voilà. Tu sais que ce temps jeté, si jamais vous avez un projet, essayez, lancez-vous, ne jetez pas le temps parce qu'après ce temps vous allez le regretter parce qu'après vous aurez plus la possibilité. Pour une raison X ou Y, après vous aurez plus la possibilité de pouvoir faire ça. C'est un peu dommage. Et voilà, hop là. Bouh! Non mais oh, veux la bagarre? Ah, c'est abusé. Ouais. Aïe! Oh! Oh! Bon, no hit. Bon, non, oui, on repassera, hein. Mais ouais, t'es pas vraiment inquiété. Ah ouais, j'avais pas vu ma jauge de santé. Par contre, la jauge de santé, elle est pas très... Elle est pas très flag. Coucou, comment demeurer. Assez rigolo. Par contre, c'est abusé, hein. Comme on a gros, c'est abusé. C'est abusé comme on a gros. Mais par contre, ouais, dès qu'on voit l'icône LB là. Alors c'est cool, hein, ça avance, hein, ça avance de fou. Hein. Mais hop là, Batman. Hop là, Batman. Ta-da-da-da-da. Et voilà pour les petites synchros. Donc là, au niveau suggéré 5, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la synchro ici, histoire de s'avancer un petit peu. On va faire les deux points de synchro là. Parce que là, du coup, on voit que la prochaine devrait se passer ici. Parce que là, c'est de niveau 8. Ça, c'est niveau 8. Niveau 9. Ah, les frères Jekyll, d'accord. On va faire le point de synchro là-bas. Mais vachement chelou quand même le jeu, hein. vachement chelou, hein. Pour un Assassin's Creed, on n'a pas une mission, on va dire, à proprement parler. On a juste des bribes de mission là. C'est un peu chelou, je trouve ça un petit peu chelou.
Hop là, ça par contre, ça c'est bien, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que voyons le bon côté des choses quand même. La tyrolienne là. Ah, c'est la frappe. La tyrolienne, c'est la frappe, j'avoue. Quoi? Faut tuer les criminels. Hop là. Zone de niveau 5. Attention, zone de niveau 5. Ah. Non mais je m'en fous en vrai de la zone. Ça je comprends pas trop. J'ai du mal à comprendre. En fait, il y a tellement de trucs. Il y a tellement d'informations à assimiler. J'ai un peu de mal à suivre. On est quand même sur un Assassin's Creed, on n'est pas non plus... Donc après certainement qu'il faudra aller au point là, sans parler de 200 éléments métalliques. Je pense qu'il faudra faire ça, je pense que ce sera ça la mission. De toute façon on verra ça demain. On verra ça demain, on va se faire le petit point de synchro là. On va se faire les deux points là, les deux points de synchro là, de la Tamise et celui-là. Voilà, histoire d'avancer un petit peu au niveau de la synchro. On peut voir un petit peu où on en est, parce que bon, apparemment, vu qu'il faut synchroniser... Bon, ça me dérange pas, hein, perso. Vous connaissez mon attrait pour les points de synchro. Vous connaissez ma grande passion pour les points de synchronisation sur Assassin's Creed. Ensuite, nous avons la Tamise. Point de vue tamisier. D'accord. Ah oui, ok. Bah viens m'apprendre les bonnes manières. Je sais pas ce que tu veux. Je sais pas ce que tu veux dire par là, mais si tu veux, allez bien. Attention, l'eau dégueulasse! Ah mon dieu, l'eau est dégueulasse! Voilà, nickel. Faut pas grimper là? Ah, let's go! Ah, c'est là-bas. Attention au train, que je me fasse pas écraser. LOL, je saute. Et là il y a un TGV. Nyaam. On peut pas arriver, le TGV n'existait pas à cette époque, bien sûr. Ne commencez pas à me reprendre. Mais foi, je suis un inculte, les TGV ça n'existait pas à cette époque. Mais je le sais que ça n'existait pas à cette époque, je le sais. Mais c'était pour vous tester. C'était pour voir si vous suivez. Ah, c'est rigolo ça, les points de vue sur la Tamise, c'est assez rigolo, ouais. C'est assez original. Bon, la map elle a l'air assez grande quand même, elle a l'air assez grande. Donc là on sait que c'est de niveau 5, là c'est de niveau 3, donc là c'est de niveau 8, peut-être City qu'il faudra faire. Donc, Martin Church. Mais je pense qu'il va falloir... Putain, il va falloir... ce que je redoute. C'est-à-dire... Aller farmer de l'XP, aller farmer de l'XP, aller farmer de l'XP. Compétence crochetage. Oh, merde. Ok, bon, ben voilà. Ben voilà, tac, tac. Ben on va quitter, quitter vers le bureau. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, on avance tranquillement, mais sûrement j'ai peur qu'on ait des phases de gros farming, quoi. Ça me fait un petit peu peur. J'avoue, ça me fait un petit peu peur, ce genre de choses.
C'est ce qui est dommage, et c'est ce qui est dommage, et c'est ce qui est reproché aussi sur Origins. Odyssée, et Valhalla. C'est ce genre de choses qui est, voilà, qui est complètement chiant. Complètement chiant. Complètement. Alors, vers qui je peux vous envoyer ? On a Ceci. Ah, Ceci qui est sur Cyberpunk, version chat. Elle est sur Stray. Elle a pas la caméra, Ceci. On a Doc Elec qui est sur Detroit Become Human. On a Dante qui est sur Final Fantasy. Alors, Dante, on est allé hier chez lui. Je vous propose qu'on aille. Bah, du coup, on va aller. On va aller chez qui ? Ah bah Doc, il t'en pose. Des fois, j'ai vu, ça ne porte pas grand-chose, ça me fait peur. J'ai fait attention, plutôt mes enfants ne seraient pas nés, c'est une terrifiante test. Par contre, mon temps, mon idée, mon envie maintenant, c'est ma transition de bouger. Voilà, après voilà, c'est ça, il faut pas non plus vivre que de regrets. Il faut pas camper que sur des regrets. C'est juste, voilà, c'est juste ça. Voilà, le seul, comme je dis, moi, vraiment, le seul regret, en fait, c'est le temps que j'ai perdu, en fait. J'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps parce que je n'avais pas la conscience du temps. Je n'avais pas cette conscience du temps, je dis oh, prof. Et là, ouais, avec le recul, avec la maturité, tu dis putain, mais en fait, là, le temps passe à une vitesse de fou. Et si tu ne le fais pas, tu vas avoir des regrets. Parce qu'avant, tu t'en foutais des regrets, tu t'en foutais. Et maintenant, là, tu t'en fous pas des regrets, tu vois. C'est ça, en fait. C'est un peu ça. Et donc, du coup, là, tu dis bon, ben voilà, maintenant, le temps passe vite. Et voilà, et ce qui me fait chier, c'est que mon boulot m'accapare du temps, et sur ce temps, je pourrais tellement le consacrer sur autre chose qui serait tellement plus épanouissant. Ça, c'est ce petit truc. Allez, bah écoutez, on va aller chez Ceci. On va aller voir Ceci au Tequila TTV qui est sur PokéMMO. Cyberpunk version chat, c'est pas très rigolo ça. Et c'est ici. Ah, Doc est revenu. Chez les grands-parents. Un orphelinat. Doc est revenu. Alors, vers qui on va ? Vers qui on va ? Ah là 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 là. Vers qui on va ? Chez le Doc ou chez Ceci ? Oh, on a Remix qui est sur Steel Rising. Unicorn Legacy. Ah, il y a quelque chose là-bas que j'avais pas vu. La belle licorne. Un flacon d'huile. Ah putain, je sais pas vers qui on va ce soir. C'est pas de ma faute si je suis ultra technique en ce qui concerne les jeux, les postes informatiques. Vous savez quoi, on va aller chez Remix. Allez. On va aller chez Remix. Allez, on va aller faire des gros poutous à notre cher Remix. Voilà. Nous, on se retrouve dès demain ici même, 19h30, Liam, à partir de 19h30 pour la suite d'Assassin's Creed Unity, jeudi et vendredi, Halo 2, Anniversary. Par contre, juste vendredi, ça risque de changer. C'est juste au niveau de l'horaire, puisque je risque de ne pas être chez moi. Donc, il y a juste cet horaire-là qui risque de changer, sinon... Tout le reste, vous connaissez les bails. Le Discord, bien évidemment, pour avoir toutes les informations concernant la chaîne et bien plus encore. Let's go chez Remix pour lui faire des tonnes et des tonnes de bisous. C'était Fouals, à demain si vous le voulez bien. La bise, ciao.